monsieur André Fouad, avec qui nous dit bonjour et bienvenue. André, comment est la femme? Bonjour, Didier Dodo, bonjour à tous tes amis, auditeurs et internautes qui branchent Caravane Compas. Ouais. Et donc, c'est un plaisir pour moi. Ça fait déjà plus de 2000 ans, pardon, depuis que nous marchons. Donc, c'est un bel moment de retrouver avec les amis d'André Fouad, les amis de Didier Dodo, les amis, les mélomanes. André, et bon, on est comment va en fait qu'on est à son lot audience. Il va arriver sur Facebook. C'est le monde entier qui branche chez nous là. Voilà, comme ça. Une petite biographie. Dis-moi qui est souillé, qui est mounouillé. 4-4-2. Parce qu'on est son malade de football, ouais, notamment du Grand Barça. Et bon, je suis André Fouad, haïtien natif natal. Il me toujours dit que je suis fier du fait que je suis sorti. Le grand pays qui c'est Haïti, première république non indépendante du monde, fête le 2 mai 1972 à l'hôpital Isaïe Gentil Chancerel. Moi, j'ai fait études premières chez l'EFK du Sacré-Cœur, études secondaires au collège canado haïtien, de la 6e à la philo. Quoique des doublés réto, mais. Et on va doubler classe. Bon, ça a arrivé, ça a arrivé pour dire vérité. Hein, mais par la suite, on va aller reprendre moins pour que moi te finalisé études secondaires. Moi. Après ça, moi étudié pour ma famille la comptabilité. Et comme moi j'étais toujours aimé communication depuis l'âme de Timoun, après ça, moi étudié communication. Et puis, qui prend le bam possibilité de travail pendant très longtemps et l'intelligence nationale d'Haïti. Mais pendant l'intelligence nationale d'Haïti, j'étais toujours écrit. Et c'est ainsi que moi j'ai fait une longue carrière pendant 12 à 13 ans dans la Récréation Magazine. Bon, de 16 ans jusqu'à 25-26 ans. Et puis, m'écrit tout au journal Le Nouvelliste. Moi j'ai fait un passage éclair au sein de la formation King Passy. Pendant 2 ans, à titre de présentateur. Donc, c'était la belle époque défunt Black Alex, Bouddha Ranks, qui est encore Sami B. L'ensemble, ça fait un gros coup de chapeau pour Fred Lizier, qui t'a découvert talent à mon Hercule et qui t'a permis pendant un an jusqu'à 2 ans assurer le rôle d'animateur du groupe King Passy. En gros, on peut dire ces présentations André Fouad, son poète, diseur, son monde qui aime scène en pile. J'ai l'impression que l'emba sous scène, m'balle en moi-même. Chaque fois que je monte sous scène, je me sens en connexion, je me sens en symbiose avec la nature, avec les gens. Donc la scène, c'est symbiose. Ouais, c'est point forme, c'est la caméra. Oui, mais ça. Et c'est pas sans raison nous venir ensemble avec avoir la Boris là. Il y a monde qui tando surtout qui connaît à travers poésie mais yo pas connaît citoyen personnage là c'est monsieur André Fouad. André et il y a plusieurs artistes qui tombent. On connaît des nèg qu'on connaît en pile, des nèg tant boulot. Avant même d'avoir essayé font chose sous boulot là, mais moi yo te manqué. On va parler de un nèg pour boulot Valco, André, c'est qui sont qu'a dit de boulot. Pour chavon parler de boulot forme et un paquet de monde que me dé connaît ou bien pas de connaît de près ou de loin qui quitter nous, bon c'est ça la vie. Donc ou gon auteur qui dit que la vie ou gagne 3 étapes là-dedans. Ou fait, ou grandit et puis ou gagne pour quitter terre. Donc nous tous gagne pour quitter terre. Là ça m'a pris un hommage spécial à des poètes qui quittait nous pendant l'année, ou bien Claude Pierre, ou bien Joseph Allange, ou bien un romancier tant que Jean-Claude Fignolet qui quittait nous l'année ça. Côté musical, nous fait perdre Johnny Hallyday qui était un grand de la musique pop française. Et il est surtout connu pour sa chanson Le Pénitencier. Et puis nous perdu le grand Boulo Valcourt. En 4-4-2, ça me cap dit de Boulo. Boulo, c'était un monde. Ça veut dire un monde dans le vrai sens du terme. De près ou de loin, t'es côtoyé, monsieur. D'ailleurs, si on a taïsien que plus interview de la carrière, c'est Ario Di Boulo Valco, Nego Cap. Boulo, c'était un type généreux. Un monde qui te remet la vie, qui te remet les femmes, il faut dire la vérité. Ah oui! Je sais pas que je vais me cacher ça. Et son nez qui te remet musique. Et je pense que Boulo, c'est un artiste avant-gardiste. Dans le sens que
boulot son moun ki toujou ap reinventer tête li, que ce soit à travers le Caribbean Sextet côté qu'il propose yon mélange de compas jazz, que ce soit à travers le groupe Jam, ils font seul album qui les Batala, et côté que t'es bon approche très jazzy, folklore caribéen et puis jazz, que ce soit à travers Caltechi ou bien Caribbean Jam jusqu'à dernier album solo monsieur faire là boulot c'est son monde qui est toujours en quête de nouvelles sonorités pour la musique haïtienne. Et parce que ça, c'est d'éléments dans coup boulot librement qui pendant des années à la musique haïtienne, parce que ou pas joindre des artistes en coup boulot chaque un an, c'est chaque 100 ans, chaque 200 ans, même chaque Azor. Donc moi c'est que l'amour boulot présenté en perte considérable pour la musique haïtienne, et là sans ça profiter au cas de ça pour me présenter condoléances à Steve Valco que me connaît, que me t'ai croisé Jacques Mel qui fait partie de groupe La Cour Musique, et puis à famille boulot, paix à son âme. Et me pense que boulot pas mouri. D'ailleurs chaque fois n'a coûté la personne, on a coûté et 20 je crois que boulot a toujours été fidèle en mémoire toute mélomane, en mémoire tout les haïtiens qui étaient contre boulot. On s'est dit monsieur était remé femme en pile. Est-ce que pendant le mourir là c'est avec maman Steve Lidé ou bien il était en fait l'autre bagaille? Bon, j'étais gagné bon, maman Steve c'est madame original là. Original là, mais boulot t'es gagné, on a appelé les fifi que le mari avait le tout. Donc, je pense que c'est bon, chaque artiste gon bagaille qui connecte, gon bagaille qui aime, gon artiste qui aime fumer, gon artiste qui aime éclairer, gon artiste qui aime femme, gon artiste qui aime belle machine, chaque artiste gon bagaille qui aime, bon, je sais pas. Même comme artiste, que ça aime. Bon, moi-même, son monde qui aime, moi-même, prie en pile, hein. Bon, t'as coupé tout mon faible pour la femme, mais ça pas empêcher. Non mais écoute, non mais j'ai un faible pour la femme, même son monde qui l'aime gon mon envie moi t'es connecté avec elle. Là ça ça qui marchait droit. Ouais, qui marchait droit là ça ça elle. Me respecter, moi que la côté là et pas en coureur de jeu. Okay. Ouais. Ça y est du gros cadeau bon Dieu, bah même pas en coureur de jeu contrairement à d'autres. Non, la pas de toute bagarre. Vous savez, moi j'ai un documentaire qui va sortir sur Montréal, côté que me dit que chaque artiste gon bagarre qui connecté. Il y a artiste puis composé faut fumer un joint marijuana. Faut une bouteille éclairée. Faut un baron cigarette. Oui, même pas du genre, même pour me créer moi-même, me prier d'abord et puis toujours une bouteille de l'eau à côté de moi. Parce que ma connexion, ma symbiose avec l'eau. D'ailleurs, la poésie, on voit une thématique de l'eau qui vient souvent. Par contre, tout ça, même connecte avec l'eau. Ok, gagne un article ou écrit sur boulot qui a sorti dans le nouvel. Non, pas un article, c'est plutôt un texte poétique qui sorti matin à côté que dit que, ouais, qui dit que. Ouais, la gueule, vous nous demandez. Et qui est-ce qui va. Bon, mets-toi à l'aise. Nous n'avons pas fait parler. Bah dégageons là et à nous si nous ok et la poésie à vous Texas qui est-ce qui va chanter pour nous, qui est-ce qui va chanter pour nous, qui est-ce qui va chanter Texito, qui est-ce qui va chanter la reine créole, qui est-ce qui va chanter au Batala, qui est-ce qui va chanter fait vent pour nous. Yon graine chante, kap cherche pasay nan mitan étoile Jouda. Qui est-ce qui va chanter pour nous? J'ai retrouvé des cicatrices sur le corps des soleils endimanchés. J'ai retrouvé des blessures sur le corps de l'humanité éclatée, dénudée en lambeaux. Les enfants de mon pays ne dansent plus le Congo levé du soleil. Les enfants de mon pays ne dansent plus le Djumba à la tombée de la nuit. Les griots s'en vont et oublient les histoires des boulots Valcourt. Les griots s'en vont et oublient les histoires des Ticandio. Les griots s'en vont et oublient les histoires des Tiparis. Silence, mon corps, mon cœur se brise dans l'inconfort des îles caribéennes. Qui est-ce qui va chanter pour nous? Qui est-ce qui va chanter faire vent pour nous? Qui est-ce qui va chanter suspendre faire la vie ou un dédé? Qui est-ce qui va chanter boulot? Voilà, et attendez là, et pour M. Cap tombé là, ça va, et ça, la plateforme réunie, n'a pas changé la yo là, et à seulement bouillisé, non, gen moun nan kay là. Monsieur ça, c'est Monsieur André Fouad qui recevoit un grand prix, et parmi tout gros prix, recevoir
pour l'année 2017 là, avant le fini, on dit peuple là, tout honneur et mérite. Et mon cher Mabonnet, avec et bon Dieu béni nous. Et tout ça, nous fait nous toujours mettez bon Dieu en relief parce que c'est lui-même qui bat inspiration, c'est lui-même qui bat santé, c'est lui-même qui bat courage. Donc, tout prix que je prends pendant l'année, hein, disons, je prends deux grands prix, je prends sorti deuxième lauréat à long concours Jacques Mel, c'est les éditions Policia, sous chaque m'a salué pour l'ancien. Qui c'est Nek Jacmel, c'est le prix Joseph et le prix Félix et Dominique Bat, non, Dominique Batraville 2016, lauréat c'était Koutchev, ça le Koutchev l'avoir au pont. Et puis l'autre prix que me année, c'est le prix meilleur poète de l'année qui m'a été octroyé par Asian Academy Awards qui est basé à Orlando et qui gagne des monde des personnalités tant Master P, Pascal Carrière, gagne Gilson Mortimer et puis gagne Emmanuel Neret. Donc c'est année ça que me prend prix ça. Donc me dit mon Dieu merci et me dit tout le monde qui fanatique moi yo qui rien même qui supporte nous depuis longtemps notamment même Didier Dodo qui toujours supporte nous Hugues Domon et m'a non fan ba vérité hein m'a salué Ronaldo Ristil qui toujours supporte m'a salué Ronald Cheristil m'a salué Tamara Surpris c'est des monde qui toujours supporte qui croient dans talent m'a salué Rolf Bertrand m'a salué Jean-Yves Milcé c'est premier monde qui était investi comme lui dans le recueil de poèmes écrit alors que me soit ça n'a été équilibré dans nuit donc m'a salué tout le monde ça c'est pas leur mouri pour me bailler au fleuve mais pendant au vivant me dit nous respect ewa ewa. Et bon André pendant on va pouvoir déclamer là il y a un paquet de poèmes qui marquait carrière. Vous avez choisi là-dedans avant de prendre l'autre dossier. Pardon sur ça là. On m'a tout qui est honnête. Pas de toi. Mon cher, il y a un paquet de belles poèmes qui marquent. Par exemple, c'est comme péniche. Oui, c'est comme péniche marquée. C'est poème moins. Mais pas qu'à gagner André Fouad sans que. Et pas de gagner Félix Monsoleroy sans que pas de gagner Georges Castres sans que pas de gagner Cito Cavé et qui passe avant donc c'est eux même qui viennent par André Fouad on va dire Franck Etienne oui ouais Franck Etienne femme dit Richard Brisson. Richard Brisson c'est le premier monde que me tendait qui a dit poésie et puis me dit tout dit vient puis grand dans même genre monsieur premier texte que me tendait là quand même c'est papa qui était baron le père à son âme Gaston André qui va montrer en 45 tours de Richard Brisson jusqu'à présent gagne là quand même et puis on va découvrir un texte relé son texte qui arrivait sous moi et puis me dit l'aime vienne plus grand n'ta aimer son scène a dit texte même texte parti comme ça mange ton pain pendant qu'il est encore pain et profitant du feu pendant qu'il est encore feu pour faire cuire ta soupe pendant qu'elle est encore soupe par les temps qui courent il ne faut pas remettre à demain ce que tu veux manger ce soir car le grand chambardement est peut-être pour cette nuit alors qui sait si le pain ne sera pas fusil la soupe poison le feu sang. Donc c'est le premier texte que m'entendais Richard Brisson a dit et depuis là ça moi une love avec le dire poétique d'ailleurs l'aime de l'école Canada pour moi qui te connais c'est on est très timide non mais jusqu'à présent non pas timide non timidité à l'oboko oui mais l'aime son est qui très réservé oui très réservé mais dès que me sous sensation le barème m'a 20 tête moi là j'ai pas le choix de casser la baraque hein. Et donc c'est le premier monde que m'a que me tend un cap dit texte et par la suite moi le découvrir Jean-Claude Martino, Coralin, qui écrit pour Carole Demispin, qui écrit pour défunt Max Aubin. Oh, wow. Ah, ouais, si vous avez ça ici, que vous regrette, pendant ces 20 dernières années, c'était Max Aubin qui était champion dans le concours Télémax. Malheureusement, monsieur quitté nous. C'est la même génération avec Steve Kay, qui l'a déjà coupé de Kounien, qui fait partie de Socute. Bon, Azor, tout qui manque tout. Et puis, je vais découvrir l'autre poète, l'autre diseur, tant que Lobo Diababadra, qui était l'entroupé Hervé Denis. Et puis, je vais découvrir de grands diseurs internationaux, Serge Reggiani, Bachi Touré. Pendant ces 4 dernières années, pendant Malmontréal, très souvent, je vais découvrir, grâce à un homme qui est Wesley Rigaud, des diseurs. Vas-y, Montréal, vas-y, Lacaro. Oui, Lacaro, mais je vais découvrir Fernandel, je vais découvrir Jean Marais, je vais découvrir Gérard Philippe, je vais découvrir Jean-Louis Trintignant. Et c'est grâce à, et amis, ça, les gens qui viennent Montréal, mais Lacaro, ils font des soupes littéraires, nous discutons de littérature, ils font découvrir tout le monde, ça. Fondou, sincèrement, nous t'aide tout le monde. Même pas tout le monde. Je ne touche pas. Bon, qui j'en fais pour incorporer littérature là dans toute activité ça yo nous qui gagne là dans moment là. Parce que ça va pas être facile.
Mon cher, c'est le vouloir. Tout ça, on veut dans la vie. Quand on dit vouloir, c'est pouvoir. C'est des mouvements, bah, on fait. Et puis tout, la gestion. Parce que je ne vais pas me battre, je si poésie mène de des côtés que je ne vais jamais espérer. Poésie mette comme l'empochement. Pour cela, m'obliger à donner ma lui-même. Même genre avec football. Ronaldo, si football seulement le fait, il est crazy. Tout le temps, je suis en train de jouer, à taper au ballon, à jongler. Donc, Neymar, Messi, tout brochette des footballeurs. Donc, que même genre avec poésie, me consacrer la journée. Hein, en 4 temps, lire, fouiller, méditer, répéter, et puis qui boit, des fois, je ne veux dire. Bon, lire là, ou vient dire là, c'est pas bagaille peuple à faire, non, je sais. Oui, mais écoute. Mais conseil de valeur que nous avons gagné dans le passé, qui après aller. Vous comprenez, tel que on dit lecture, c'est pas bagaille vraiment. Il fait lui, mais il fait l'autre gens. Gagné. Des smartphones, yo. Smartphones, oui. Oui, mais au pape cas. Connexion. Oui, d'accord, ça dit, oui. Pendant que j'ai évolué sur la technologie, j'ai même toujours été attaché à la vieille école. Par exemple, moi-même, j'ai toujours un carnet téléphonique, j'ai toujours un carnet d'adresse, j'ai toujours chaque matin. D'ailleurs, je dors avec mes livres, je fais l'amour avec les livres. On goba, me dit là. J'ai fait café jalousie matin là. Je dors avec mes livres, je fais l'amour avec les livres. D'ailleurs, pour me dormir, il faut me lire. Car bon, c'est le livre seulement gagné. Donc, m pa ka passer un jour sans que m pa li moi-même. Il t'a fort difficile pendant la journée. Ou proprement kon bagay. Pa kon bagay, même j'aime lever le matin prier, mon chef fòm li yon bagay ou bien fòm répéter un fòm ou di un texte quand même matin. Gou pendant que matin m leve là puis m'ap di un texte. Un texte de. Un texte de un poète un grand de la littérature mondiale et c'est Léopold Sédar Senghor qui dit ça que l'on texte dit que droit comme un fût de rogné, puis comme l'or de Galam. Pur comme l'or de Galam, je te cherche l'Afrique. C'est un texte à ville, la tête de matin. Même j'ai un texte cascade à ville, la tête de ou bien un texte au cave. On va parler de ça. Et qui poète ou bien qui grand philosophe de littérature haïtienne qui marque yo? Mon cher, chaque période, yo, bon poète qui marque. Par exemple, si j'ai. L'autre fait troisième, c'est normal. Dupré, 1100. Ouais, Mounsao, Corollon Adouin, Oswald Durand, Massigno Kouakou. Vous comprenez dans les romanciers, réalistes, Fernand Hibert, les Justin Lérisson, c'est normal. C'est un cas d'humanité. Mais l'homme finit l'école, on va découvrir l'autre poète surréaliste. D'ailleurs, le courant surréaliste français lit imprégné, que ce soit au niveau de la poésie d'expression créolophone ou bien la poésie d'expression française. Li imprégné de travail. D'ailleurs, une particularité poésie surréaliste, c'est l'image. Après, par exemple, la poésie, m'a pris l'image. Par exemple, par exemple, c'est comme Péniche, qui sont textes populaires, qui rendent populaire ma amie. Les par exemple, dit Fian, l'en fait texte. Tenez bien, oui. M'a envie de dire l'autre poésie, on l'autre parole. Yon parole ou pas j'aime tendre. Yon parole ou pas j'aime rêver. Yon parole ou pas j'aime dessiner. Yon parole ou pas j'aime fariner. Puis yon belle parole ou pas j'aime défiler aquarium la vie. Ça, c'est son image surréaliste. Aquarium la vie. Aquarium la vie. Oui. C'est courant surréaliste français. Hein, avec des représentants comme André Breton, René Char, Philippe Soupo qui. Que m'essayer de mettre la langue créole là. Parce que l'homme de Simone. Je suis tout là au Canada, dans l'école paix. Je t'ai exigé de parler français. Donc oui. C'est normal. Mais tout l'aime l'école, je me dis bon, waouh. Tu es créole là. Pourquoi tu es créole là qui c'est la langue maman ou la langue papa? Je me dis, l'aime une bigle moi-même. Le premier livre que je vais mettre dehors, c'est vrai, je vais mettre le premier livre en français dehors. Je me dis, je vais explorer la langue créole parce que en créole là, il y a des bagages qu'on peut jouer, qu'on peut pas jouer en français parce que le français c'est ma langue liée. C'est la langue des colons, c'est la langue qu'on peut prêté. Donc je me dis que la meilleure façon que je vais. Et mettre surréaliste là, en évidence la poésie, c'est à travers la langue créole. Bien entendu, Castrafel et Franck Etienne Fell. Mais moi-même, je viens avec Touche Pam, je viens avec Couleur Pam, qui boit André Fouad des jeunes aujourd'hui. Voilà, mesdames, messieurs, n'a pas fait connaissance avec monsieur à nous-mêmes, mais on monsieur nous connaît depuis très longtemps. Et nous croisons avec ça fait longtemps, ça fait déjà quelques années. Quelques années, oui. Hein. Nous croisons et nous parlons avec elle, son nègre qui direct, si le combat est là, bien. Les doux, les avances qu'elle bien avant. Vous connaissez des gens qui ne peuvent pas.
qui peut tolérer un genre de tempérament comme ça. Moi-même, je n'ai aucun problème avec elle. En raison de qu'on longtemps, en raison de qu'il est très direct, c'est le Romain Labdou, il est juste dit où. Mais direct, je n'ai pas dit que, par exemple, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit, par exemple. Et pendant toute carrière en tant que journaliste culturel, j'ai toujours gagné des bifs, entre guillemets. C'est jargon, monsieur Rabiot, avec des artistes, par exemple. J'ai eu des bifs avec, par exemple, Roberto Martino, qui me salait sous chaque ça. Qui n'a qu'à année. Et pour que Crash Magazine, il a gagné l'album Mes Médicaments. Et bon, côté que m'a dit, bon, et faut monsieur upgrade tête comme chanteur. Monsieur, pourquoi on va chanter le monde? Il dit ça dans le texte. Mais est-ce que vous pensez, après plusieurs années après, vous pensez monsieur grandit? Je pense que monsieur grandit. Je suis honnête avant. Je suis honnête avant. Et pour approche musicale. Ça, c'est moi-même l'opinion de froide. Mais par contre, je remets Tivas en tant qu'institution. Si vous ben haïtien qui campait pendant 25 ans, et malgré tout problème à droite à gauche, je vais dire la vérité. Hein, mon cher, je salue la madre. Je suis Alcal qui est un bêtise. Non, mais je vais dire la vérité. Je vais dire un bif avec, par exemple, Jacques Sauvergeant. Moudi, qui année? Époque création magazine d'ap calé moun. Époque 97-98. Ok. Mais l'on gen bif avec un musicien, c'est l'on ba opinion de l'il pari, mais ou bien? Non, mais c'est pas comme si m'dadou, même j'aime moun y a fait bif, qu'on y a rentré dans la vie pour vie moun. Non, non, mais même l'aime gen bif avec un artiste, c'est pas l'ansens comme si m'dadou m'dé tout artiste. C'est un artiste qui me critique, m'pas critiquer la personne de l'artiste. Sou bien ça artiste en fait la chambre, ça va intéresser moi-même. C'est un artiste là. OK. Vous comprenez ça me dire là? Par exemple, je n'ai rien par exemple avec catalogue. OK. Moi connais m'chap côté là. M'ka reprocher catalogue comme chanteur. Oui, les catamannequin. Moi je suis un mannequin. Je suis un mannequin. Là. Par exemple, la Gabel. Moi exemple la Gabel. Moi mes Gabel. Moi mes Flev. Bien que Flev, il y a deux fois, il est très monotone, il faut une vérité. Mais Flev, son bon chanteur, par exemple, à Montréal, si on dit Azaïs, c'est qui est populaire aux côtés de New Look, il faut citer le nom de Gabel, lui. Oui. Et pourtant, on n'a pas aimé Kata comme chanteur. Mais je n'ai rien contre Kata. C'est différent ça. Haïtien, beaucoup j'aime Kata. Mais faut nous faire. Non, mais c'est parce que, attendez, c'est parce que nous toujours. Abdi, le ciel est bleu, qui fait que Haïti est accueilli. Nous pas j'aime garder la réalité en face. Même qui dit qu'on ne voit que rien personnel. Il y a des gens qui ont écouté là. Nous avons de grandes altercations. Pas dans le sens goût, mais même j'en fais trop goût à rigolo, non? Dans le sens comme si débat intellectuel. Parce que je pense que le pays d'Haïti, faut qu'il y ait débat. Même aux États-Unis, il y a débat. En France, il y a débat. Canada, il y a débat. Faut que nous créions des débats. Même j'en fais l'émission là. L'on invite un artiste. Pas poser artistes qui se trouvent parce qu'ils sont un beau garçon ou bien son belle famille. Poser artistes qui se trouvent parce que c'est ça. C'est travail à faire. Travail de journaliste. Poser vos problèmes de façon à ce que dans 20 ans, dans 30 ans, pour même problème, pas reposer. On parle de Jacques Sauvergeant. Qui peut vous dire avec ça? Mon chalem, c'est la gay et album crié chanté. Hein? Oh! What? Le plus gros hit. Oui, mais pendant ce temps, ton album, ça gagne pile plage de Mike Bantu. Oui. Oh! Ah oui, c'est ça, me dit dénoncé, oui. Qui par exemple, soit la plagiat. Non, là, ça c'est comme si nous avons. Je me suis dit, copier Mike Bantu. Oui, comme si nous avons. Qui musique, par exemple? Bon, beaucoup de musique, tu me rappelles, que je me prends des passages dans la musique, et puis ils mettent la musique pâle. Mais dans le format pâle. Même si, par exemple, le copain direct, le vérité, il va jamais me dire. Ok, gon bon et pattern là et monsieur Vanyo. De la ligne Vanyo. Côté au copier, c'est sous Spanish yo. Oui. Musique parole. Oui, puis on dit ouais, inter son virtuose bien, m'a si bien non mon. Ah, inter son grand musicien dans ce temps. Qui ça le créé? Qui ça le créé? Il faut dire là l'argent lié, même pas grand rien personne avec un ken musicien haïtien, mais tout un musicien haïtien. Moi même plus gros rêve moi avant moi mais on le m'a regardé en cérémonie Grammy. Ok, et puis moi on ben haïtien prend Grammy. Que beaucoup ne pas fait pour plusieurs raisons égoïste parce que y a ici y a l'entraînement yo même ça me souhaité moi même parce que Jamaïque qui en fait mais qui ça fait parce que Bookman c'est un groupe et au point de vue international qui était plus près pour te faire ça dans parler là même ça fait d'après ou même Bookman va arriver il y a deux facteurs qui fait que Bookman parce que il va là non mais parce que c'est Eddie qui doit là avec Bookman après parce que nèg yo t'es selfish ça comme selfish par exemple les Bookman fait par exemple attendez pour moi qui pas connaît pour l'histoire les Bookman fait qu'aime pas sauter album qui vient Voodoo Ajay
Vodou Adjaye, c'est vous-même qui t'es fait l'album, non? Gros album, bah, j'aime bien ça, 45 tours. Et puis, pour y voir, je vais le faire au niveau international. Il va rencontrer avec Chris Blackwell dans SOBiz New York, pour mon New York qui a écouté l'émission là. Et puis, dès lors, il y a aussi un bookman. Et puis, qui record label? Et Island Records à l'époque. Ok. Donc, qui signe bookman. Gros bagay. Ouais, gros bagay. Quand il y a un nominé le Grammy en 92 avec l'album Vodou Adjaye. Ça qui passe, il mettait dit deux pour ils ont des disciplines, ça qui passe, Chris Blackwell lui même dit qu'il va quitter maintenant, il va manager maintenant encore parce que Eddie là. Oui, il faut dire si c'est Eddie qui c'est et la figure et emblématique du groupe. Enfin, on va avec Goumou là. Hein. La figure emblématique. Ou ka, ou là, ou ka oui, ou la figure. Ou ka non, c'est Eddie François qui c'est la figure emblématique de Bookman. Dès lors, ça qui passe. Tout gros contrat Bookman qu'on a gagné, il n'est pas gêné encore. Jusqu'à ce que Bookman réduise en groupe, précisément, groupe familial. Wow. Je ne vais pas tenir capable de dire ça, mais moi, je dis parce que on le fait vérité en dit. Et n'a pas tourné dans Jacques Sauveur Jean encore. L'heure où, by opinion, qui j'ai mis sur Rivesou, mis sur tourné, livré l'eau personnellement. Mon cher. C'était bipé à l'époque là. Non, t'as bipé. Non. Il n'y a pas de bipé. Mon cher, femme honnête à voir. Ou bien pas personne interposé. Non, pas personne interposé. Et puis moi-même, à l'époque, vous êtes jeune, provocateur. Vous pouvez vous amuser? Non, monsieur, t'es aimé avec un petit maître Tarazan. Ok. Oui, à l'époque, mon la kamé gon business là, oui, panamé, qui m'a la fantaisie. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, il n'est pas de 20 ans. Non, mais pendant que tu as un gros frère qui a un store dans le village jusqu'à présent. Oui, qu'on y a là. Et puis pendant que tu descends là, oui, panamé, qui m'a gagné d'offre Prato. Qui te gagne un studio. Non, pas un studio, non, une maison de disques. Et pas que ça, belle Pétionville. Oui, belle Pétionville, belle monde, tout, belle femme. Oui. Et puis, je me croise avec Jacques Andan. Et puis, mal provoqué Jacques. Non, c'est moi, je suis honnête à vous. Je te connais. Et puis, je me dis bonsoir. Non, vous devez me passer, toi. Bon! Mal provoqué, monsieur. Attendez. Mal provoqué, monsieur. Mais c'est quoi, il y a un fait ça. Non. Je suis très taquin. Et puis il me dit bonsoir Jacques, il me dit c'est André. Où est-ce qu'il t'a accueilli? Non, je pas fait ça encore. Là, j'amène la raison, là, vous venez poser, vous posez comme un café. Et puis il me provoque, monsieur. Ça veut dire, qui je vous provoque là? On parle de Jacques Sauveur. Oui, Jacques Sauveur, je me dis bonsoir Jacques, il me dit c'est André. Je dis ah André, man, t'as cherché chaud, man, pas sérieux, man. Je suis article ça. Et Jacques Sauveur, j'ai entré là pour éliter la monotonie. Mon cher, man, pas sérieux, man. Vous écrivez Aïssa Soumé. Oui, je fais pas. Et pas que ça, il fait pas de Facebook, non? Non, pas de Facebook. C'est qui ça, André, 10 de où dans Récréation Magazine? Oui, mais Ticket Magazine, c'est même genre. Oui, même famille. Hein. Même famille, Récréation. J'ai un Ticket Magazine à faire là comme ça, Récréation. Oui, mais et des amis, tant que Louko Désir, BS. Bernier Sylvain Zamim, qui m'a salué là, il était popularisé titre là, il m'a invité dans la radio, l'engagement, oh, là, ça le fait interview tout le bagage. Kounia là, bah, il a pris tout pays. Hein. Et puis les gens. Non, mais Jacques Sauveur, t'es puissant. Non, t'es puissant, Kounia là. Moi, il n'y a pas peur d'attaquer au négatif. Non, bah, j'aime pas l'envie. Bah, j'aime pas. Je me connais que. Quand je dis diable bonjour, là, manger. Bah, dis le bonjour, là, manger. Même pas, j'aime peur. Si je me fais un bagage, je me fais. C'est la même chose qui suivent des systèmes. Ils me suivent comme. Comme dit je dis, là, je dis, 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 donc, c'est comme ça, me dis. Donc, le monsieur. Bon, là, mais. Bah, même, salut, monsieur. Kounia, là, nous fait une étape parler. Ça n'a pas les comme ça, même. Non, monsieur, fâché, la gars. Monsieur, dit que bon, et. Qu'est-ce qu'il dit, je vais pas répéter là. Ok. Même je dis moi que mon cher Menti, que Ingrid à l'époque, son ex, t'es quoi ça avait, mais ça que t'as pas le mais bon, c'est des menaces. On ne met pas ça au sérieux. Et puis, qui l'a m'a recroisé avec Jacques, je me songe, le président Martelly, Tabono, et sa femme dit bah, la vérité. Hein. Si vous avez Michel Martelly, le président Martelly fait pendant le président, c'est le fait qu'il était honoré des artistes haïtiens pendant qu'ils vivent. Donc, c'est ça, il était honoré Boulou Valcourt, Georges Coventon, défunt Georges Coventon, il était honoré et Franck Etienne, des vivres de Bagaza. Ok, ou de là. Et puis, qui est-ce que je crois que j'ai parlé hein? Jacques Sauveur Jean. Jacques Sauveur Jean. Je ne sais pas vous nous raconter, oui. Et Michel dit, je ne sais pas vous parler. Hein? Il dit, bon, j'ai été invité par le président de la République. Et puis, monsieur Gonfrel qui est là, un grand frère, monsieur dit, ah, monsieur, n'est-ce pas des fois de ça là, mais. J'ai dit, monsieur, toujours son jeu bagage là. J'ai dit, monsieur, mon bagage sous moi, en tout cas, la monotonie, la priorité, ma m'a pas pardonné. Je dis, Jacques, ça a gagné pas de 15 ans. Je dis, Jacques, là, il est gratuite là. Il était sérieux. Jusqu'à présent, ça me dit, la vérité, oui, ça qui s'est passé. Ou bon, quitter chanson, tout le monde va dire. Je dis, ah, monsieur André, man.
Je n'ai rien contre le sénateur. Je vais me chapter de l'ambaguer. Monsieur Cavaret, toi, papa. Non. Il va faire ça. Enfin, il va arrêter ça. Il va faire ça. Non, moi, il roule avec Jacques Sauveur. Ils sont artistes. Et ils me respectent, monsieur, en tant qu'artiste. D'ailleurs, ils marquent en époque. Et monsieur, son exemple, il est pour jeunes qui veulent faire musique. Même Jean-Tinet Salvan. Donc, Jean-Claude Guillaume, mon Jean-Claude Guillaume, oui. Bon ami, et paix à son âme. Faut pas qu'il y ait des amis qui ont perdu, oui. Et puis, j'ai premier fois à performer Orlando, c'est monsieur qui t'a invité. Bah, j'aime bien un festival, que le festival de la Renaissance, monsieur t'a invité. Donc, c'est dommage que monsieur quitte. Non, Jean-Claude, quand on y a respect pour. Où devant Jean-Claude? Nous devons. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est comme ça, André. Et... So... Mais femme d'où ça tout? Époque que à ce magazine. Il m'était senti, on s'en vérité, il m'était senti que jeunesse était accroché à l'école, intéressé à l'école, comparativement à Kounia, la côté que son génération de rabordaille, de. Je ne sais pas, je ne vais pas voir les thèmes. De gaz collé. De gaz collé, de. Et Chawa, j'aurais le lent. Chawa pété. Oui, non, non, je ne t'intéresse à l'école. C'est l'école qui bon génération, papa, Richard Ouzo, qui bon. Qui bon Zinglin, et Gaïdi et Pérez. L'école, c'est l'école. Qui bon Spitters, puis Wong. Vous connaissez Epoch Sweet Mickey? Bagala commence à dégénérer. Musique élève, t'es toujours. C'est l'école qui t'a toujours fait jazz. Ou regardez Mano, Baba, Diffa. C'est ça, Mandoula, mais Kounia, là, ça qui passe. Et à l'époque, tout ça remarqué tout. L'obtenant d'un texte en cours. Mais t'es fait une petite folie, sans réfléchir. Non, ça, c'est une poésie, le texte. D'ailleurs, c'est pas Richard Ouzo qui t'a écrit le texte. Ça, c'est Farah Martin Lérisson, Zamim, qui écrit le texte. Donc, l'école t'es en évidence à l'époque. Mais Kounia, ça qui passe. Tout le monde dit venez pour le bail la musique, son génération de gouillardologique. Donc écoutez, musique haïtienne, on tombe défendre la vérité. Hein. Ou pas gagner des chanteurs tant que Boulou Valcon encore. Ou pas gagner des maestros tant que Raoul Guillaume encore. Ou pas gagner ça encore. Ok, suivre ça très bien. Dans tout album qui sort, c'est combien de boléo gagner? Zéro. Ça montre que musique haïtienne en baisse. Quand on est d'accord ou pas d'accord. Qui ça boléo pour ouer avec un baisse musique haïtienne? C'est boléo, c'est nous-mêmes qui inventons. Non, mais c'est son rythme latino-américain. Mais écoutez, l'un. Haïtien by boléo, tout important ça. Parce que son peuple sentimental. Ok. Vous comprenez, mais quand il y a là, long album sorti, pour un album Jacoute, là, on est boléo, bien sur lui. Zéro. Et pourtant, si vous êtes chanté boléo, son bon chanteur. Quoique même pas d'accord avec Mouv. Les amis, je suis pas d'accord avec Mouv. Poloa? Non, pas Mouv Poloa, non, Mouv Steve qui est au sein de Jacoute. Son gros vérité, mais là, c'est son artiste qui a gaspillé. Vous pensez, monsieur, pas qu'à. Talent, pas exploiter la scène? Non, pas exploiter talent, monsieur, je disais, c'est l'habitude. Monsieur tellement prend note la musique là ou senti que arrangement pauvre. Que bah musique qu'a fait toujours. Qu'a fait bah monsieur Albert Steve là so cute. Son gros chanteur que lié. En parlant de so cute et son monde fait brancher là qui pas connaît qui ça so cute là. So cute son ben qui t'est émergé à Pétionville dans les années fin années 90 yo. Son ben qui t'a baissé proposant l'autre bagarre dans musique haïtienne un mélange de folklore de R&B d'ailleurs. Qui mon nègre qu'on a copié, c'est Maxwell, l'obtain des Steve, c'est Maxwell, c'est Air Supply, c'est mon sang de l'obtain des, c'est George Michael. Donc c'est ça nègre t'es envie de proposer, tout ça ouais Bello a fait là. premier jazz qui mettait Bello sous scène à Pétionville, c'est nous même oui. On est dans So Cute et dans Glass Grégoire. Vous êtes dans So Cute? Oui, mais qu'on a présenté Nebio. Oui. Je sais pas, les mapales. Oui, donc. So Cute, c'était un ben qui t'avait essayé proposant l'autre bagarre en dans musique haïtienne, non? Un mélange de folklore, un mélange de folklore et de R&B. Et ils font un grand album qui est les Horizons. Ils ont eu une chance de performer dans des endroits à Pétionville, tant que Woodstock, Reggae. Bon, base, c'était Café des Arts. Et puis, voilà, suite, ils ont effectué le premier voyage international au Canada. Et puis, ils ont tout été. Dans ceux qui ont des jeunes Sanon, ou des jeunes Steve, ou des jeunes Vladimir, ou des jeunes Rodrigue Georges, qui sont brillants guitaristes de jazz, que me performaient souvent avec la Montréal. Donc, So Cute, son ben, pas caché dit nos amis auditeurs, fans de DJ Dodo, son ben, on regrette en pile, et m'ta souhaite un jour que Negio font réunion, parce que
tout les gars vivants, que ce soit Steve qui est au sein de Jakout, que ce soit Vladimir, ou bien, comment il s'appelle encore, et Sanon, ils ont encore envie. Donc, on t'a proposé au plus fond réunion pour fanatiques et sous culture, parce que qui moun qui pas connaît la vie arrête, qui moun qui pas connaît horizon. Donc, je pense que sous culture manque nous en pile la musique haïtienne là. Et le map dit que on artiste en coup Steve gaspillé, c'est parce que côté Steve y est là, moi connais m'attend de moi, monsieur pas en place lui. Non mais sincèrement, il pas gain choix parce que genre de format musical faut ta créer au format musical, format musical là t'as qu'à subsister. Gen des genres musicaux ou créer juste pour artiste là qu'à choquer style mais qui va marcher, qui comment va le rapporter? Non mais m'a dit bagage. Les gens vont pas faire musique pour le plaisir, ils vont faire musique pour l'argent. Non mais d'accord avant, mais m'a dit par exemple t'as des habitudes. Depuis là, je ne sais pas si je suis de prendre l'habitude. J'ai jamais surpris un autre. Je sens que nous sommes des mecs qui font chanter. Mais pendant que je chante, il y a un arrangement pauvre. Il manquait. Voilà, André. Et mais c'est comme quand je parle là, monsieur, dame. Sans vous et monter, je suis fanatique tout le monde. André, et c'est qui côté na... Bien pour nous jouer une poésie ou. Si vous avez acheté une œuvre, qui compte là? Mon cher, œuvre est disponible sur Amazon. Toute dernière œuvre est là, ou à besoin sur Amazon, que ce soit Brine en Nuit, que ce soit Sous Douvant Jour. D'ici avril l'année prochaine, le website va être on, côté que mon avez acheté toute œuvre. Et puis, très bientôt, je vais aller à Paris, notamment à l'Assassin, pour m'enregistrer toute œuvre. Parce que je pense que. Oh. Non, ça. Vous pouvez faire ça toujours? Non, beaucoup faire. Mais je vais faire l'année prochaine. Parce que je pense que. Excusez-moi, ça me va le dire. Ça, c'est un gros message que je vais lancer à tout artiste haïtien. Que ce soit un monde qui l'entend dans le gospel, l'entend dans le racine, surtout M. Compaio. Il y a un problème que nous, la compétition. Comme dit classe la musique, quand j'ai chita, il faut nous préparer demain. Nous, parce que. Li fait mal en pile que les artistes nous mourissent, font résigner à faire pour eux. Non. Je dis, Yolde est malade. Oui, il est malade, il est hospitalisé à New York. Ça fait mal en pile. Je pense que l'île est temps pour artistes haïtiens. Et là, ça m'a indexé. On est avec le sénateur Gassel Elva qui est dans la chambre, Jacques Sauveur Jean. Il est temps que nous votions ça. Droit d'auteur. Parce que. Les par exemple. Loi ça déjà. Oui, mais il n'est pas appliqué. Non, mais il faut nous dire que l'argent lien. Moi, monsieur, je suis allé en chier, Pete Class, New Look, Zenglin, Jakout. Mais pas, je suis allé comme si pour nous organiser une association. Non, pour nous organiser une association, pour nous défendre droit. Non, monsieur, il faut pas jouer à bagarre sérieux. Parce que. Je dis à la nappe fait musique, nous vedettes, mais demain matin, nous n'avons pas la même force là encore. Yeah. Donc il faut nous penser pour nous organiser. Nous ne pouvons pas parler d'organisation bidon ou bien organisation nègre en haut, non. Fait tout artiste moi-même, au même respect. Que nègre de sortir de Soleil, ou bien de sortir de Pétionville, ou bien Jalousie, ou bien Montagne Noire, c'est même artiste là, c'est même inspiration. Donc il est temps que nous organisions pour nous défendre à nous. Parce que moi, je ne sais pas si c'est pour la vie à nous défendre à nous. Non. Mais il y a plus là, il y a fait polémique, inutile, qui va mener aucun côté. Donc moi-même, je parle avec cœur, moi-même, c'est pas seulement mon pote qui parle avec nous, son journaliste de cœur qui aimait pour artiste à vivre bien. Excusez-moi, là moi aller à Poulombet li, je me sens content. Mais pour qui ça on l'autre? Pour qui ça t'envie dans Poulombet li tout? La difficile. Ça fait ça. Répartition pas même, c'est pas même combien. Écoutez, me connais, c'est parce que l'on business qui gagne top inégalité là dedans qui fait ça. Ouais. Ah mais c'est pas très profond, mais c'est pour nous dire parce que business gagne top inégalité là dedans qui fait que ces chanteurs, ils ne peuvent pas être un bourrineur, ils ne peuvent pas être capables de jouer gong là. Et pourtant, qui ça fait un groupe, c'est un groupe, son équipe. Son ensemble. Même j'ai une équipe football là pour Barcelone. Ouais, Messi, mais pas non, ouais, Messi, ouais, Busquets, ouais, Iniesta, ouais, et Suarez. On connaît le football, mais. Voilà, André, je vous remercie sur notre sang, André, nous sommes contents de parler ça. C'est pas. Faut venir boire ici à plus. Non, ma vin souvent. Et qu'est-ce que tu me baboses? Moi, je vois mon nain vieux là. Non, nous pas rentrer dans les détails. Même toi, annoncer mon yo que 2018 là, nous avons plusieurs projets qui sont sortis, des projets de livres, des projets de documentaires.
Et surtout, nous avons projet avec Ouli Saint-Louis, qui sont troubadours, chanteurs haïtiens, qui pourra chanter 15 textes inédits d'André Fort. Ce n'est pas 15 textes que nous avons déjà, non, ou bien nous tendons déjà, non, mais c'est 15 textes inédits d'André Fouad qui pourra sortir. D'ailleurs, en janvier, il y a une musique qui pourra sortir, qui est les 6 points de marché pour qu'on donne la petite petite. Nous n'avons pas à qui est-ce parler. Donc, qui pourra annoncer l'album. Ça, oui, 6 points de marché dans la rue pour qu'on donne. Oui, oui. Vous avez c'est ton plaisir. Donc, et merci. Et je pense qu'avant, nous allons nous tourner. Nous allons parler. Voilà, nous allons recevoir Whitley Octavius. Merci, bonne journée. Et puis, happy holidays. Guys, one love. I gotta see